Salut les voyageurs. Notre périple se termine par cet épisode qui nous fait atteindre la sortie de l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. Une playlist répertorie tous les épisodes de cette balade et elle est disponible ici. Au fait, depuis peu de temps sur le site aeaencc.com, tu retrouves tous nos épisodes, principalement en France et accessibles par des pictogrammes très clairs. L'épisode qui est en cours de montage s'y trouvera également sous la forme de points d'interrogation. Ce camping se trouve à Médy, pas bien loin de Royan. On est véritablement à la sortie de l'estuaire de la Gironde qui n'est pas tout calme comme tu pourras le voir par la suite. Sur une carte plus détaillée, on repère le camping Aloé qui va nous permettre de rayonner le long de la côte de part et d'autre de Royan. Zoomons un peu au niveau de Royan. On repère que le camping se trouve à une dizaine de minutes de Royan et ses plages. Au niveau du camping, trois zones distinctes. Le restaurant et le complexe aquatique pas encore visibles sur cette image satellite, une partie mobile home et une partie pour se poser en camping-car. Un site internet très informatif qui détaille les activités et services du camping et permet facilement de se faire une idée des points d'intérêt de la région. Par ailleurs, une page Facebook et un compte Instagram régulièrement mis à jour et qui complètent fort bien les informations du site web. Pas mal d'emplacements d'environ 80 mètres carrés, très arborés et desservis par de larges allées. Le sol est parfaitement plat et bien tassé. Même si c'est de l'herbe, on ne risque pas de s'enliser par temps de pluie. Un bloc sanitaire fonctionnel et bien protégé des intempéries. Une vaste zone de mobile home pour profiter d'un autre style de vacances. Et on arrive maintenant au niveau du centre d'activité de ce camping, légèrement en retrait, ce qui évite les nuisances sonores, avec son restaurant à la carte variée et son grand espace aquatique, piscine recouvrable, zone pour les plus petits et les incontournables toboggans.
il est temps de rentrer sur notre emplacement. Mis à part sa situation à deux pas de Royan, le point fort de ce camping, c'est sa piscine et ses animations régulières, ici un loto. Dans ce camping, pas de haut-parleurs dans les arbres pour annoncer les prochaines activités. Il y a de l'animation, mais ça reste calme. Comme petit point négatif, on peut citer que glisser son camping-car sur certains emplacements n'est pas forcément facile, vu la végétation assez dense qui émaille ce camping. Pour un camping 3 étoiles, doté d'un bel espace aquatique. Situé à deux pas de nombreux points d'intérêt, dont tu vas en découvrir certains dans quelques instants, un tarif d'une trentaine d'euros par nuit en haute saison à deux, sans électricité, en camping-car avec une remorque et moto, c'est plutôt pas mal du tout. Reprenons notre carte pour rayonner depuis le camping. Classé parmi les plus beaux villages de France, il s'agit d'une petite cité fortifiée face à l'estuaire de la Gironde. Par ailleurs, elle fait aussi partie des petites cités de caractère et des villages de pierre et d'eau. Entourée par un cimetière marin, l'église Sainte-Radegonde domine le village et, à flanc de falaise, fait face à l'estuaire de la Gironde. Cette église est caractéristique de l'art roman Saint-Ongé.
puis l'église, on repère une première série de carrelés bien alignés, mais nous avons vu sur Google Maps d'autres carrelés un peu plus loin, peu après le village de Bars-en-Plage. Allons y voir de plus près. La côte est émaillée de carrelés et nous avons repéré ce petit coin lors d'une recherche sur Google Maps. Nous sommes ici au sud-est de Bars-en-Plage. La technique de pêche consiste à descendre puis à remonter quelques minutes plus tard un filet plat. À la remontée du filet, qui nécessite une bonne condition physique, c'est la surprise avec des éperlans, anchois, mulets et crevettes. Avec bien de la chance, on peut même y trouver barres, plis et soles. On peut utiliser ou pas des appâts et on peut aussi l'utiliser la nuit. Un bien bel endroit, loin de la foule. Royan, c'est un port de plaisance très important puisqu'il comporte 1000 emplacements sur ponton. Il comporte même une galerie marchande couverte nommée les voûtes du port. C'est également un port de pêche très actif avec sa trentaine de bateaux de pêche qui se sont spécialisés dans la pêche d'espèces nobles. Une partie sont appelés des filayeurs et partent une semaine pour attraper par exemple sole et barre dans leur filet. Les autres sont appelés des ligneurs et immergent de longues lignes hérissées d'hameçons pour attraper des carnassiers tels que les raies, les maigres et autres dorades. Tous ces poissons passent ensuite par la halle à marée, lieu réservé aux professionnels. Royan, c'est aussi un embarcadère pour traverser l'estuaire de la Gironde en 20 minutes et filer par exemple vers les Landes en longeant la côte. Ici, pas de réservation, un péage, un parking tampon, et c'est parti dans le prochain bac. 18 rotations par jour en été. La douceur de vivre, nous l'avons trouvée à Saint-Palais-sur-Mer, station balnéaire qui ne manque pas de plage, reliée entre elles par le sentier des douaniers, et qui présente de nombreuses villas de style balnéaire de la Belle Époque, témoin de l'essor de cette station dès la fin du 19e siècle. Un lieu touristique, mais très attachant.
après une série de carrelés situés sur la commune de Saint-Palais-sur-Mer, on peut poursuivre la balade sur les rochers battus par les vagues. Et on arrive au puits de Lauture, excavation dans la roche qui est assez impressionnante à marée haute lorsque la mer est agitée. Cela produit un brassage important et il s'agit alors de conserver une distance de sécurité suffisante, surtout avec des enfants. À marée basse, cela prend l'allure d'un pont rocheux. Après avoir traversé une bonne partie de la splendide forêt domaniale de la Coubre, essentiellement composée de pins maritimes, avis aux amateurs de pistes cyclables. Nous arrivons au phare de la Coubre et sa cage d'escalier totalement recouverte d'opaline. C'est parti pour monter les 300 marches et se retrouver 64 mètres plus haut pour découvrir un paysage qui marie forêt et immense plage de sable. Le bol d'air y est bien souvent assuré. Notre restaurant conseillé se trouve à Talmont-sur-Gironde. Il s'appelle L'Âne Culotte. Bien entendu, ce ne sont pas les restaurants qui manquent, mais celui-là ne fait pas dans la catégorie attrape-touriste. Les plats sont bien présentés et leur café gourmand est le plus abouti que j'ai eu l'occasion de tester dans un restaurant. Un ticket moyen
de 60 à 70 euros pour deux avec plat, dessert, boisson, café. Ceci reste dans la norme à Talmont-sur-Gironde. Nous voici arrivés à la fin du dernier épisode du périple qui nous a emmenés de la Franche-Comté jusqu'à l'Atlantique. J'espère que ces épisodes t'auront plu. Nous arrivons maintenant à l'été 2022 et il va être temps de faire le plein de nouvelles images. À bientôt !